Eh bien, coucou tout le monde, c'est Maxence, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, voilà. Un petit jeu d'horreur tranquille, Sinister Edge, disponible sur mobile. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas fait. Sur ce, bah, on va se chier dessus, hein, clairement. Donc, c'est parti. Oh, ouais. Y'a me ready, hein, go, go, go. Wow. Allô? Ok. Si c'est trop fort, on va baisser un petit peu. C'est parti. Ok. Là, on démarre dans une petite maison. Alors, on a un puits. Mamacita. Un dessin. Oh. Ok. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Alors, parce que je me sacrifie. Je suis en train de me chier dessus là. Oh. C'est parti. Ok. Donc là, il faut trouver des objets en fait pour ouvrir la barrière. Bon, ok, c'est flip. Alors déjà l'ambiance est très spéciale déjà, avec l'orage et tout, ça, oula, waouh, bonjour, salut, on a encore un dessin, ok, oh le seau, ouais. Ok. Ça, c'est terrifiant. Alors, faut savoir que d'habitude, j'aime pas trop les jeux d'horreur parce que je suis une grosse froussarde de bord, mais là. Ouh. Ouh. Ok. Bon. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Les screamers sont pas trop là. Par contre, on peut pas courir dans ce jeu, c'est assez dommage. Wow. Un cimetière, c'est génial. Alors, bonjour monsieur. C'est marqué Sarah et Elias. Ils sont sûrement morts. Ça. Une cave, on va peut-être l'ouvrir. Normalement, on va pouvoir aller dans la maison, faut espérer en tout cas parce que on me chier là-dessus. Oh, voilà des pubs encore. Hein. Bon bah là, ça va être pénible. C'est gourdi. Waouh. Ça c'est d'accord. Bon, alors, on va visiter un petit peu. Bonsoir. Ok, c'est pas ouvert. Là, il n'y a pas grand chose. Bon, c'est un peu creepy, mais bon. On va. Une porte n'est ouverte là-dedans. Oh putain.
Oh, elle nous casse les... Oh, putain. Alors, l'ambiance est très spéciale déjà. Est-ce que je dois vraiment y aller ou... Mais c'est un peu le son du jeu parce qu'en soi ça fait flipper donc. Que c'est magique. Donc là pour l'instant ça peut aller hein, ça va pas. On va dire que voilà. Encore. Donc, pas grand-chose à voir ici. Des tableaux flippants. Des tableaux. En fait, je pense qu'il faut trouver un truc pour les chevaux là. Il faut trouver une combinaison, mais comme ça. Là normalement c'est censé avoir fait quelque chose mais... Pour l'instant ça fait pas trop peur. Voilà encore une bulle. Une clé. Ok, donc là c'est quelle porte? Doit être celle-là, je pense. Waouh, que c'est beau. Oh. Donc faut trouver quelque chose. Une étoile. Rien.
C'est étrange. Bizarre. Voilà, je trouve pas les indices. Donc les amis, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à commenter et à partager. Ça me ferait plaisir. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.